Bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. Sondag Maharoth Sapietika Tapadai Khon Sokdari, présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, a rencontré le 5 mars à Paris un monsieur François Bruno Fouch, délégué général de l'APF. Lors de la rencontre avec M. François-Bruyne délégué général de l'APF à Paris en France, Samlet Moharosa-Petika tapaday président de l'Assemblée nationale cambogienne, a demandé à l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF de soutenir certains secteurs prioritaires du Royaume, tels que la santé, la formation des ressources humaines en français à l'Assemblée nationale et la réforme en vue d'un parlement numérique. Samret Khonsodari a en outre souligné l'importance de la coopération bilatérale et multilatérale dans le cadre de l'APF pour renforcer la diplomatie parlementaire pour la paix et le développement durable, l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, le secteur culturel et l'attention portée à la lutte contre le changement climatique, etc. La présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne a pleinement soutenu le plan stratégique de l'APF 2023-2030 axé sur le renforcement de la diplomatie parlementaire, le respect mutuel de la souveraineté, le renforcement de l'indépendance et de la coopération et l'harmonisation juridique. Elle a affirmé la volonté du Cambodge d'agir comme un pont pour la langue et la culture française en Asie du Sud-Est en soutenant la suggestion du Premier ministre cambodgien, Salad Mohamed Bouatapedayun Manet, de créer un centre de langue et de culture française pour l'Asie du Sud-Est au Cambodge, et il avait même choisi la France comme premier pays européen pour sa visite officielle après sa prise de fonction en août 2023. De son côté, M. Bruno a mentionné que le Cambodge était un pays francophone important pour la PF en Asie du Sud-Est. Et un membre actif de l'APF avec lequel il souhaitait voir davantage de coopération. Il a également exprimé le ferme soutien de l'APF à la candidature du Cambodge pour accueillir le sommet de la francophonie en 2026. Monsieur Foote a ajouté que l'APF et le Cambodge travailleraient davantage ensemble sur des défis similaires auxquels d'autres pays membres de l'APF. Sont confrontés telles que les questions liées aux femmes, au changement climatique, au gaspillage alimentaire et médical, etc. L'Assemblée nationale cambodgienne est l'un des 87 membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, fondée à Luxembourg en 1967. À rappelait que Son Majesté Khun Sok Darahi Angkete le Cambodge le Gomez Polaf François a fait bénéficier une visite officielle et d'y participer au sommet de compagnie avec le président du Parlement Jusco Ongzamas à l'invitation de Son Excellence le logo française Madame Yelbon privée Son Excellence Picha, Ograbon, ministre de la pêche Okra 4 ministre de l'État président du Conseil de développement agricole et rural et président du Comité national pour la promotion du mouvement d'un village, d'un produit, a déclaré lors de la célébration de la Journée internationale de la femme que les femmes participent à toutes les activités dans tous les domaines et constituent un moteur indispensable du développement national. À l'occasion de la célébration du 113e anniversaire de la journée internationale de la femme, Lévite Max, sous le thème Les femmes et les filles dans la révolution numérique, son excellence, Mandat Sapietia Okrabun, ministre d'État, président du conseil du développement agricole et rural et président du comité national pour la promotion du mouvement d'un village d'un produit, a souligné que les femmes actuelles ont contribué activement à tous les secteurs de l'économie, de la société, de la culture, de la santé, de la sécurité alimentaire et de la nutrition et a également encouragé l'utilisation des produits Khmer, un village, un produit, en particulier dans la révolution numérique qui est devenu un moteur important dans le développement national conformément à la stratégie pentagonale du gouvernement royal. Son Excellence, le ministre d'État, a poursuivi que la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, de chaque année vise à commémorer la lutte pour l'égalité et à refléter les progrès, les réalisations, les défis, les engagements et les mesures positives visant à promouvoir l'égalité des sexes et augmenter le courage de chaque femme et fille. Il a ajouté Aujourd'hui, au Cambodge, les femmes et les filles ont les mêmes droits que les hommes et les mêmes champs dans tous les domaines, et que les femmes cambodgiennes sont plus compétentes et occupant des postes importants dans les institutions internationales clés, telles que dans l'organe législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que dans le secteur privé. Son Excellence Petra, ministre de l'Information. A reçu le 6 mars une visite de courtoisie des lauréats de la bourse du gouvernement du Japon pour l'année universitaire 2024-2026. Son excellence, M. Petra, ministre de l'Information, a demandé aux étudiants qui partiront pour étudier à l'étranger de ne pas oublier le pays. Il n'y a rien de mieux que notre propre nation et doit s'efforcer d'apprendre pour apporter des connaissances pour servir la nation. Son silence, le ministre René Petra a rappelé l'histoire selon laquelle le Cambodge a traversé de nombreuses étapes depuis la guerre jusqu'à devenir un pays en pays. Il l'a dit, « Si vous regardez les ressources humaines du Cambodge en 1979, la situation à cette époque était très difficile. Ceux qui en savent plus enseignent à ceux qui en savent moins et ceux qui en savent moins enseignent à ceux qui ne savent pas. La période de 1979 à 1993 était une période de renforcement et de développement des ressources humaines. » De 1993 à 1998 était une période d'expansion et de renforcement du développement des ressources humaines. De 1998 à 2023 est une phase de renforcement quantitatif et qualitatif du capital humain se référant aux personnes possédant les connaissances, des capacités, des performances et une bonne santé. Au cours des 40 dernières années, la nation a été reconstruite à partir de zéro car les savants qui existent avant 1979 ont été tués par les Khmer Rouges, a précisé son silence le ministre. Grâce aux efforts du chef du gouvernement, jusqu'à présent, un grand nombre de ressources humaines de grande capacité, de qualité, ont été constituées, et pour les étudiants qui doivent partir étudier à l'étranger, c'est une ressource humaine importante qui doit revenir aider votre pays. Au cours du 7e mandat du gouvernement royal, sous la direction de Spectre de s'est concentré sur le capital humain en réformant l'administration publique, en renforçant l'efficacité institutionnelle, en recrutant des fonctionnaires compatissants pour travailler et en mettant en place un système pour encourager les fonctionnaires à améliorer leurs connaissances, leurs compétences et efficacité de travail. À cette occasion, son excellence, le ministre Nepetra a présenté un budget pour encourager les lauréats de la bourse du gouvernement royal du Japon pour l'année universitaire 2024-2026. Son excellence Bantro Chai, ministre du Plan, a accordé une visite de courtoisie à son excellence Patrick Murphy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis au Cambodge. Au cours de la rencontre, son excellence Bentrochei, ministre du Plan, a remercié le peuple et le gouvernement des États-Unis pour leur aide et leur coopération avec le gouvernement royal du Cambodge, en particulier le ministère du Plan par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international du il a fourni un soutien technique à l'enquête démographique et sanitaire CDSA de 2000 à deux mille vingt 2022 le recensement agricole de 2013 et le recensement agricole de mille dix neuf en réponse, à Son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis du Cambodge, a remercié le ministre de lui avoir permis, ainsi qu'à ses collègues, de lui rendre une visite de courtoisie et de discuter de son travail. Dans cette rencontre, les deux parties ont discuté sur le processus de préparation de certaines tâches prioritaires dans la responsabilité du ministère du Plan avec la stratégie du Pentagone du gouvernement royal du Cambodge, tel que le plan national de développement stratégique quinquennal NSDP 2024-2028, le plan des investissements publics pip trois années de roulage et les travaux préparatoires du cambodge à la sortie des pays les moines avancés reclassement des pme et de préparation au départ du cambodge des pays les moins avancés L'ambassade a informé de nombreux projets américains majeurs à travers l'UCET pour aider le Cambodge, notamment dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de l'éducation, de la technologie et de la formation des ressources humaines. Et a exprimé son appréciation et son évaluation le Cambodge dans son engagement à atteindre ses objectifs de développement durable, si SDG d'ici 2030 est devenir un pays un revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. Son Excellence Patrick Murphy a également déclaré que le Cambodge est un importateur de marchandises vers les États-Unis via le système de préférence généralisé SPT et qu'au cours des trois dernières années, le Congrès américain n'a pas approuvé la réintroduction du programme SPT. Bien que cela, il espérait toutefois que le Cambodge bénéficierait à nouveau du SPT. Le ministère du développement rural a célébré son treizième anniversaire de la Journée internationale de la femme, le 8 sous le thème « Les femmes et les filles dans la révolution numérique ». Cette célébration s'est déroulée sous la présidence de son excellence Child t ministre du Développement Rural. Selon le rapport de l'Octimtiumat Matmara, secrétaire d'État et présidente des genres du ministère du Développement Rural, le ministère compte un total de 1460 fonctionnaires, dont 403 femmes, soit 27%. Les fonctionnaires féminines qui travaillent dans l'enceinte du ministère comptent 192 femmes. Par ailleurs, dans les 25 provinces, compte 211 femmes. Sur un total de 32 secrétaires d'État, Quatre étaient des femmes et parmi les 27 sous-secrétaires d'État étaient trois femmes. Son excellence, Childa Tissain, a hautement évalué les efforts des femmes dans le développement rural. Il a ajouté que pour le Cambodge, les droits des femmes ont été au centre de l'attention du gouvernement cambodgien depuis la libération du 7 janvier 1979 jusqu'au septième mandat au cours duquel les femmes ont joué un rôle important dans le soutien de l'économie et du développement social. À cette occasion, Son Excellence, le ministre Chahir Tissan a donné les instructions et les recommandations suivantes. Un, les dirigeants doivent accorder plus d'attention à examiner la composition des femmes et offrir aux femmes la possibilité d'accéder à des rôles et un statut dans chaque unité du ministère du Développement rural. 2. Tous les départements et projets doivent accroître la bonne collaboration avec les équipes de genre pour accroître la participation des femmes à la mise en œuvre des programmes et des projets. Trois, les dirigeants départementaux doivent prendre soin des femmes enceintes en leur accordant des périodes propices au congé de maternité et en prenant bien soin de leurs enfants. Toutes les femmes doivent accroître et renforcer ses capacités conformément à la révolution numérique pour contribuer au maintien de la stabilité et du développement de la société. Son Excellence Dattina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a assisté à une présentation sur l'organisation des services publics du ministère à travers le système informatique. Après avoir écouté la présentation sur l'organisation des services publics du ministère de l'Agriculture, des la Forêts et de la Pêche à travers le système informatique, son excellence le ministre Dattina a souligné que la révolution numérique dans le secteur de l'agriculture se fait conformément à la politique nationale et à l'évolution de l'époque grâce à l'utilisation de la technologie pour la rendre plus facile, plus réactive, précise et légale. Selon le ministre, ce travail nécessite un plan directeur avec un objectif commun et un format numérique commun avec une structure de gestion claire pour garantir la sécurité, la sûreté et une grande efficacité en facilitant les services publics plus proches et plus faciles pour les citoyens, les agriculteurs et les parties prenantes. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir et cela ensuite au programme sur Téléka.